Salut les amis, ici TurboBlack67 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler que mon drone il est perché sur un arbre ou un autre problème relationné à ça. J'ai fait les mises à jour de 1.6.5 et presque tout s'est bien déroulé, c'est-à-dire que le drone il a bien été corrigé donc les nouvelles mises à jour. Par contre, quand j'ai reçu, donc pour faire la suite, quand j'ai cliqué la suite, donc c'est-à-dire ça, j'ai cliqué et ça me donnait ça. Alors bien sûr, je prends le drone et puis c'est là que le problème commence. C'est qu'en le prenant, j'ai touché le bouton de marche arrêt et ça l'a arrêté, donc du coup ça m'a bloqué. Alors j'ai déjà réinitialisé le drone. Tout recommencer, ça n'a rien donné. J'ai réinitialisé la télécommande, pareil. Donc si je fais comme ça, c'est bon. En principe, je peux voler. Donc j'ai fait un essai hier, puisque c'est hier que j'ai fait la mise à jour. Et ce qui est arrivé, c'est que le drone, une fois que j'ai fait le calibrage. Il a démarré correctement et s'est levé, mais juste après ça me donne directement le problème avec la batterie, trop faible. Trop faible oui et non, parce qu'elle était chargée quand même à fond, mais ça me donne du coup je suis pas tranquille du tout. Alors hier j'ai pas filmé avec le drone, donc j'ai parti faire une vidéo que avec mon Intel et tout ça, comme si vous avez vu la dernière vidéo que j'ai postée. Et maintenant, le problème c'est là, c'est que si je fais chaque fois ça, hop, il me donne ça, donc je dis toujours à plus tard, et puis après, bien sûr, je peux voler quoi. Voilà, si je mets comme ça, hop, ça revient ça, donc je fais annuler, et c'est bon. Donc maintenant je vais pas décoller, j'ai pas fait la. Donc comme je vous ai dit, j'ai pas fait le calibrage ni du drone ni de la caméra, tout ça. Mais maintenant la question, est-ce que j'ai même fait autre chose, j'ai supprimé l'application sur mon Intel, je l'ai réinstallé et puis ça n'a rien changé. Donc c'est toujours pareil. Alors maintenant je ne sais pas quoi faire, donc est-ce que quelqu'un s'est arrivé la même chose? Est-ce que vous avez une solution? Éventuellement, s'il n'y a pas de réponse qui vient ces prochains jours, je vais essayer de mettre un message à Paro, peut-être éventuellement ce soir ou demain, et poser la question s'ils ont un moyen de faire pour que je puisse me connecter, faire la configuration pour la batterie. Parce que pour l'instant comme ça, ça me laisse pas tranquille du tout, alors je ne veux pas risquer. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Si vous avez une idée, faites-moi savoir si possible, ça serait gentil. Et quand on pense aux problèmes qu'il y a aujourd'hui concernant ce virus, c'est minime ce problème, mais voilà, ça, c'est une autre histoire. Alors voilà, je vous dis à tout bientôt, bon courage à tous, respectez un petit peu les consignes, c'est la meilleure chose que je peux vous conseiller aussi, et voilà, donc j'attends de votre aide, et puis je vous dis à tout bientôt, une bonne continuation à vous, et puis merci pour votre aide et soutien. Allez, ciao, bye bye, merci.